êtes partout dans le monde, nous nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une cohabitation pacifique entre les communautés est très souhaitée pour le développement de la province du Haut-Katanga. Le gouverneur Jacques Kiabula-Kateu était face aux forces vives de sa province pour une sensibilisation à la paix. C'est le seul titre de ce journal qui sera au sud de Nord Kivu, le Kwilu et dans le Haut-Touélé. Merci d'être avec nous sur la RTNC et bienvenue dans ce journal si vous nous rejoignez. L'exode rural face au développement des provinces, c'est le thème de la conférence qui se tient à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Cette rencontre met autour d'une table le Grand Katanga et le Grand Kasaï. C'est les chefs de l'État qui va le clôturer ce soir et vous allez le suivre sur nos antennes. Mais en attendant, revivons ce qu'a été l'arrivée du chef de l'État dans la capitale cuprifère. C'est depuis la matinée de ce mercredi que les Louchoises et Louchois se sont massivement mobilisés pour accueillir chaleureusement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui effectue une visite de travail à Lubumbashi. À l'aéroport international de la Lualo, le chef de l'État a été accueilli par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula, à sa descente d'avion et il a traversé la haie d'honneur. Le Premier ministre Sama Lukonde et une délégation des membres du gouvernement, d'autres officiels, en l'occurrence le gouverneur de 9 provinces du Grand Katanga et du Grand Kasaï, ont aussi salué le chef de l'État à l'aéroport. Sur place à Lubumbashi, le président de la République va avoir des échanges avec des notables et leaders du Grand Katanga en vue d'appréhender les enjeux de développement de cet espace. Dans la capitale cuprifère, le président de la République visitera aussi quelques ouvrages réalisés dans différentes localités du Grand Katanga pour une évaluation des progrès socio-économiques réalisés depuis 3 ans. Le développement du Grand Katanga est aussi tributaire du meilleur climat de paix, d'entente et de cohésion entre les différentes communautés vivant dans cette contrée du pays. C'est dans cette optique que le Premier ministre Sama Lukonde a procédé le vendredi 22 avril à Lubumbashi au lancement des travaux de la conférence interprovinciale entre le Grand Katanga et le Grand Kasaï sur la cohabitation pacifique de leur communauté. Les assises de cette table ronde visent le rapprochement de deux communautés, katangaises et kasaïennes, appelées depuis des lustres à vivre ensemble dans la paix, l'unité et la cohésion qui caractérisent le peuple congolais. Les forces vives de Lubumbashi ont, en dépit de leur tardive, communié avec le chef de l'État dès l'aéroport jusqu'à sa résidence officielle. De Nairobi sur la pacification dans la partie est du pays ont été clôturées le mercredi dernier dans la soirée. Tous les groupes armés de l'Ituri, Nord et Sud Kivu ont remis chacun à la facilitation un mémo. Le chef de l'État de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, et son homologue du Kenya, Uhuru Kenyatta, ont participé à la cérémonie de clôture des pourparlers. C'était par visioconférence. C'est l'image forte qui aura marqué la fin des travaux de consultation de paix de Nairobi, une image qui traduit l'acceptation par toutes les parties prenantes de l'initiative de paix prise par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Près de 30 délégués des groupes armés venus de l'Ituri, Nord et Sud Kivu ont pris connaissance et accepté toutes les résolutions prises par les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. Nous sommes ravis de l'initiative du chef de l'État. Les groupes que je représente ici avaient déjà répondu à l'appel du chef depuis 2019. C'est un groupe qui œuvre, qui est basé à Masisi, qui en 2019 a entendu le message du chef de l'État, a répondu à l'appel de se joindre aux efforts de pacification. Il a rendu les armes et il a remis les gènes entre les mains de l'État. Certainement qu'il y a eu des petits problèmes d'encadrement et les jeunes sont rentrés en attendant que les choses liées, que le processus alors de démobilisation démarre effectivement. Nous louons l'initiative dans la mesure où c'est dans le cadre des recherches de la paix. Parce que, comme nous le disons toujours, il y a ceux qui disent la paix n'a pas de prix, tout comme les autres disent aussi, la paix a toujours un prix. La paix n'a pas de prix parce que rien ne vaut la paix. La paix a toujours un prix et c'est ça les sacrifices. Que les patriotes, comme dit un de ses rénovés, avec à la tête le commandant Guido, ont toujours recherché. Ça, le prix de la paix, et tout ce que nous tous ici, y compris vous, vous êtes en train de faire, ou nous sommes en train de faire, pour rechercher la paix. Nous louons l'initiative parce que, dans le cadre de la région, ou de la sous-région, actuellement East African Community, où notre pays a adhéré, il a plu aux autorités de rechercher la paix dans le cadre de la sous-région, et ils ont préféré commencer par, avec l'initiative en RDC, avec les groupes armés. Nous avons accepté la main tendue du président de la République. Et cette initiative qui a fait que tous les groupes armés qui ont suivi avec importance pour se présenter ici à Nairobi pour voir comment pacifier toute la région. Parce que vous savez, non seulement la RDC, non seulement l'Ituri, mais ça concerne toute la région. Parce que au-delà de la question des faire pays, vous avez les EDF, vous avez les MV3, vous avez toutes ces questions-là. L'autre moment fort de cette dernière journée aura été la participation surprise des deux chefs d'État. Depuis leurs bureaux respectifs, les présidents Uhuru Kenyatta et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se sont adressés directement aux groupes armés. S'exprimant en anglais et swahili, le président Uhuru Kenyatta a exhorté les combattants armés de la République démocratique du Congo à s'inscrire dans la voie de la paix. Pour sa part, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a félicité ses compatriotes qui ont saisi sa main tendue. La facilitation kenyane a annoncé une autre rencontre dans les prochains jours, bien avant les conclaves d'évaluation des chefs d'État programmés fin mai. En attendant, chacun des participants devrait regagner son milieu de vie naturel. Alors que le pourparler s'éteignait à Nairobi, à Kinshasa, à l'Assemblée nationale, les députés nationaux étaient en train d'élire le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Il s'agit du député national André Mbata, qui est le remplaçant de Jean-Marc Kabound, qui a démissionné dernièrement de ses fonctions. Retour en images sur la plénière consacrée à l'élection de ce dernier avec Bernard Baudeux et Sylvie Mouimbo. L'honorable Mbata, Betukumesu Mangu André, ayant obtenu plus de la majorité absolue de suffrage exprimée, est proclamé premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'est par un score record de 402 voix pour, 12 abstentions, 20 ont voté contre et 4 bulletins nuls que le député national, le professeur André Mbata, a été à l'unanimité élu premier vice-président de l'Assemblée nationale. L'élu de Dimbelenge dans la province du Kasaï central a remercié non seulement le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi ses collègues députés pour leur choix porté sur lui. Après l'élection, il a fait sa première déclaration en sa qualité de premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Je voudrais, avant toute chose,
dire mes remerciements à Son Excellence Monsieur le Président de la République. Le béton sacré sur lequel repose l'union de la nation. Je remercie également du fond du cœur tous les collègues membres de l'opposition qui en ce jour ont décidé de mettre fin au boycott sur la loi électorale et qui se sont déplacés pour venir me porter à la première vice-présidence de cette Assemblée. Je le remercie. André Mbata s'installe sur le fauteuil de Jean-Marc Kabound Akabound qui a démissionné de son poste le 31 mars dernier, il y a deux semaines, que la plénière souveraine a pris acte de cette démission. Vous les avez vus dernièrement, les présumés voleurs de câbles de la SNEL dans la province de Lualaba qui sont tombés dans le filet de la police nationale congolaise. Un procès en flagrance a démarré à Kolwezi pour le juger. Et nos confrères de la RTNT Lualaba nous donnent le détail dans ce reportage. La loi devait s'appliquer dans toute sa rigueur pour éviter la répétition par ceux qui seraient tentés d'agir sur ces terrains avec ces comportements inciviques. Nous sommes au parquet des grandes instances du Lualaba où, sur instruction du procureur général Arthur Ilunga, le tribunal de Mouchacha a siégé en foraine sur une matière liée au vol des câbles de haute tension appartenant à la SNEL et à la SNCC. Les prévenus qui sont par devant votre tribunal sont poursuivis pour des infractions graves. Suivant le degré de responsabilité de chacun des 16 prévenus, la juridiction a rendu son verdict. Kasongo, Kasongo Alain, Chila Maïka, Cédric Muleya Kayombo, Kabwanga Kushinga, Moongo Kapumba, Kapichi Kisonge Ladi, Kilembe Yava Rufin, et Mujinga Kasongo Songa Songa. En conséquence, les condamne à 20 ans de servitude pénale principale. Nous noterons que le village Kayembe et Chipaya était transformé en centre de négoce des câbles haute tension. Et à l'arrivée de la justice, tous les hommes de ce coin étaient en fuite, y compris un chef coutumier détenteur de deux dépôts de câbles qu'il vendait à 3500 francs congolais le culot. Après le tumulte entre les communautés vivant dans le Grand Katanga, la table ronde s'en est suivie. Actuellement, le gouverneur Jacques Kiabulakwate est en train de sensibiliser la population sur la paix et la cohabitation pacifique. Et Kinshasa, les interfédérations du CNC au Katanga et Lualaba, sous la supervision de Jean-Claude Kamfwa Kimimba, ont constitué ce samedi 23 avril 2022 la cible de la formation idéologique organisée dans la salle L'Atomium à Lubumbashi. Victor Yumba, représentant des Kamfwa Kimimba, s'est félicité du choix porté sur son entité politique pour abriter ses assises avant de donner les coups d'envoi en présence de plusieurs hauts cadres résidents à Lubumbashi. Une étape très cruciale que les formateurs venus du Bureau politique national ont mis à profit pour outiller les jeunes du Congrès national congolais de l'espace Grand Katanga dans l'objectif de les mettre à la hauteur des enjeux politiques en RDC. Le leadership du jeune du Congrès national congolais face à l'évolution politique par le secrétaire général adjoint Meshak Mandefou, le militantisme responsable fondé sur l'idéologie du parti par l'idéologue national prof Jean-Noki Kangala et la communication politique par le porte-parole Célé Kanangila, tels sont les thèmes qui ont été développés à la grande satisfaction de jeunes. On a donné des notions nécessaires pour que demain, que l'on ait le jeune responsable, capable de faire la fierté de leur autorité morale, parce que ce qu'ils auront apporté à la nation fera aussi la fierté de notre pays. Dans son mot de clôture, Patrick Eshiba Kasemwana, après avoir rendu hommage mérité au visionnaire du parti Pius Mwabilou d'avoir pris cette initiative salvatrice pour permettre aux jeunes de bien jouer leur rôle, a prêché aux habitants de cette partie du pays les vivre ensemble sur ordre des géniteurs du parti. Tout Congolais qui se veut Congolais est un artisan de paix, un artisan de cohabitation et un artisan de développement. Voilà pourquoi l'autorité morale a voulu que par la même occasion, faisant d'une pierre des coups, qu'on lance ce message de paix et ce message du savoir-vivre ensemble. C'est dans une ambiance conviviale que cet atelier idéologique a pris fin.
Et dans le sud Kivu, c'est la mise en pratique de la grâce présidentielle signée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. 51 prisonniers sont libérés en présence du gouverneur Théo Ngwabidje qui a remis personnellement le document attestant leur liberté. Il les a invités à devenir des hommes et femmes fortes dans la société. Et conformément à l'ordonnance portant mesure collective de grâce signée par le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, que ces 51 détenus de la prison centrale de Bukavu ont recouvré leur liberté à l'issue d'une cérémonie présidée par le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi. Avant de les libérer, l'autorité provinciale leur a prodigué de conseils en soulignant que la sortie de ces 51 pensionnaires vient désengorger cette maison carcérale dont la capacité d'accueil est largement dépassée. Que tous ceux qui ont été graciés fassent preuve d'un comportement exemplaire. S'ils commettent de nouveau les mêmes erreurs, ils vont revenir ici et ce sera difficile de les en sortir. Nous savons que d'autres détenus sont restés ici. Demain, s'ils se comportent bien, le président de la République pourrait prendre une autre mesure de grâce. L'éligibilité de ces bénéficiaires de la grâce présidentielle dépendait des motifs de leur condamnation et de la durée de la peine purgée, comme cette maman qui a passé près d'une année et demie ici. En recouvrant sa liberté, elle a remercié le président Félix Tshisekedi. Je ne commettrai plus de fautes pour ne plus retourner en prison. Que Dieu bénisse le président Tshisekedi, car j'avais déjà perdu l'espoir de recouvrir la liberté. À ce jour, la prison centrale de Bukavu compte près de 1804 prisonniers. Pour le gouverneur Ngwabidje, il y a urgence d'améliorer leurs conditions de vie. Nous faisons de notre mieux pour améliorer ces conditions de vie, que ce soit leur alimentation, mais nous avons aussi des doléances pour leurs conditions de logement, donc d'avoir le matelas et le reste, que nous allons apporter une réponse dans les jours à venir. Avant de quitter, le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi a aussi remis des vivres constitués de sacs de farine, riz, haricots, pour ne citer que cela, un signe qui traduit l'amour de l'autorité provinciale envers ses compatriotes en situation difficile. Restons toujours dans le sud Kivu pour vous dire que l'atelier sur la réflexion stratégique de la compréhension et de la mise en œuvre du programme DDRCS s'est ouvert à Bukavu. Les stratégies retenues nous est présentée dans ce reportage. C'est sous la mise en œuvre des organisations Action pour la paix APC, Solidarité des femmes activistes pour la défense des droits humains SOFAD, sous l'élite d'Antarpis International avec le financement du Fonds de cohérence pour la stabilisation, que cet atelier a connu la présence du gouverneur de la province du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, du coordonnateur national du PDDRCS, Tommy Tambwe, du président de l'Assemblée provinciale, le pasteur Zachary Loamira, du représentant du chef des bureaux de la MONUSCO pour le Sud Kivu et le Mali, des administrateurs des territoires de mer à Douvira, à Kamituga, Baraka et Bukavu, des chefs coutumiers ainsi que d'autres personnalités. Dans son intervention, le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi a rendu hommage au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est très déterminé à restaurer la paix durable dans la province du Sud Kivu en particulier et toute la partie est de la République. Il a à cet effet rassuré qu'il mettra tous ses efforts pour appuyer les programmes PDDRCS pour qu'il y ait les retours effectifs de la paix, tout en exhortant tous les partenaires à soutenir ces programmes dans le rétablissement de la cohésion sociale. Pour sa part, le coordonnateur national du PDDRCS, Tommy Tambwe, a tenu à rappeler différentes dates depuis 2019 sur la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, relative à la recherche de la paix dans notre pays. Pour Tommy Tambwe, l'objectif poursuivi est celui du démarrage de la décentralisation au niveau du PDDRCS en y apportant des idées innovatrices pour l'opération du plan provincial. Il convient de signaler que cet atelier est une continuité du projet Feu de route pour la paix à Minembwe ayant abouti à la signature d'un accord de cessez-le-feu entre les groupes armés en 2020 et l'organisation du dialogue intercommunautaire de la paix en mars 2021 à Kinshasa, à l'issue duquel les sept principales communautés vivant dans les territoires d'Ouvira, Fizi et secteur d'Itombwe avaient signé des accords bilatéraux de paix, de même que les groupes armés et les services étatiques de sécurité. Occuper les postes dans les instances de prise des décisions, c'est le combat que mènent les jeunes et les femmes du Nord Kivu. Je vous propose d'écouter leur point de vue dans ces reportages.
Préjudice des dispositions spécifiques liées à la fixation du cautionnement à tous les différents niveaux d'élection. La candidature de la femme, des jeunes et la personne vivant avec handicap est recevable par un paiement de la moitié de la caution électorale. Celle-ci lui est remboursée en cas de non-élu. La Commission électorale nationale indépendante fixe dans chaque circonscription électorale le nombre de bureaux de vote, en détermine les ressorts et nomme son personnel en tenant compte de la parité homme-femme des personnes vivant avec handicap et des jeunes. L'abandon de la proportionnelle et l'adoption du scrutin majoritaire simple. Organisation de l'élection des gouverneurs au second degré au sein de l'Assemblée provinciale à la suite d'un système de parrainage par les députés provinciaux indiquant au moment du dépôt de leur liste l'étiquette du candidat gouverneur pour lesquels leurs voix sont décomptées en cas de leur élection. Organisation de l'élection des sénateurs au second degré au sein de l'Assemblée provinciale à la suite d'un système de parrainage par les partis, regroupements et indépendants présents à l'Assemblée provinciale, représentant au moins 10% des députés provinciaux. Réduire les taux des frais de dépôt de candidature au tiers, au moins du taux en vigueur, et prévoir un taux égalitaire pour tous les candidats. Interdiction de cumul de candidatures à des scrutins du même degré. Interdiction de porter comme suppléant, sous peine d'annulation de l'élection, des parents en ligne directe ou collatérale, ascendante ou descendante, jusqu'au deuxième degré inclus. Et puis, dans le Haut-Ouélé, la journée culturelle sur la paix a vécu avec le participant venu de tout le coin de la République. Arrivé le 20 mars 2022 via l'aéroport national d'Isiro-Matari, Modeste Tchomba a tout d'abord présenté ses civilités aux autorités de l'administration provinciale et urbaine, parmi lesquelles le ministre provincial en charge des affaires sociales et humanitaires, Solidarité, Groupes vulnérables, Culture et Arts du Haut-Tuélé, Chrysostome Bandazoa Massibando, qui se réjouit de cette présence opportune. Avec l'appui du ministère national de Culture, Arts et Patrimoine, via sa division provinciale, du Haut-Tuélé, le producteur culturel national de la République démocratique du Congo, Modeste Tchomba, alliance Tchoms Productions, a ensuite décoré dans un culte de la paix deux ministres de Dieu en qualité des ambassadeurs de la paix à travers le monde et artisans de la vérité en République démocratique du Congo. Puis l'ascension des deux drapeaux, dont celui de la République et l'autre symbolisant la paix, ici, respectivement dans la cour de l'église et au domicile de ces heureux ministres de Dieu ainsi primés. Avant de boucler son périple dans la province natale de la bienheureuse Marie-Clémentine Anouarite Ningapeta, dont il a salué la mémoire et la bravoure en effectuant un pèlerinage à la Maison Bleue, lieu de son martyr, le chancelier des nations, Modeste Tchomba, alias Tchoms Productions, a en fait décoré une autre dame de renom, femme d'affaires de son état, Madame Eugénie Basséda Essiki. Et dans la province du Kwilu, les institutions d'appui à la démocratie et les parties prenantes au processus électoral se sont mis autour d'une table. La clé, avoir des élections dans un climat de paix durant le processus électoral. C'était en présence du premier président de la centrale électorale qui séjourne dans cette partie du pays. En prélude de l'opération de la cartographie des sites opérationnels que le secrétariat exécutif provincial de la CENI du Kwilu a organisé, un cadre de concertation entre la CENI et les parties prenantes au processus électoral. Nous sommes à Bandundouville, dans la salle paroissiale Saint-Hippolyte. Responsables des partis politiques, membres de la société civile, la notabilité et tant d'autres, ont été tous attentionnés d'écouter les deux orateurs du jour, notamment M. Pascal Lipemba, membre de la plénière de la centrale électorale, qui a pu se prêcher sur les nouvelles donnes de la CENI dans les processus électoraux en cours et a sollicité l'implication de tout un chacun pour permettre à cette commission de réussir à cette opération base du processus électoral. En second lieu, le vice-président de la CENI, M. Bienvenu Ilanga, a rendu claire la feuille de route de la CENI en expliquant le calendrier électoral tel qu'est prévu, mais a rappelé quelques contraintes qui pourraient enfreindre le processus, notamment les retards dans le financement des opérations, la volonté politique, la sécurité, la mutualisation, les contraintes sanitaires et tant d'autres.
Pour Bienvenue Ilanga, la CENI tient à organiser les élections dans le délai car le bureau Kadima se bat déjà pour redorer l'image de la Commission électorale nationale indépendante. Des échanges intenses s'en est suivi, mais toutes les parties prenantes sont sorties satisfaites. Signalons que bien avant ces cadres de concertation, le premier vice-président de la CENI a été reçu par le gouverneur du Kwilu pour ses civilités. Toujours dans la province du Kwilu, la population a été sensibilisée contre le tribalisme et les conflits dans le territoire des Bagata. Les notables de cette partie du territoire ont également prêché la population à la cohabitation pacifique. Les ethniques, tribaux et communautaires en République démocratique du Congo est un véritable frein au développement du pays. Cela empêche même les investisseurs d'y accéder. Le territoire des Bagata dans la province du Kwilu n'est pas épargné. 5 villages de ce territoire, notamment Mbaka, Matele, Kingangakiati, Mutete et Mubenga, ont entretenu depuis plusieurs années des conflits sans issue jusqu'à provoquer des violences. Préoccupé par cette situation qui frise la haine et le tribalisme, le député national élu de Bakata, Sylvain Delmambo, a pris l'initiative de consulter d'abord individuellement le chef coutumier de chaque village pour les convaincre à se réconcilier et faire la paix. À la fin de cette mission de pacification, le député Delmambo a organisé une grande cérémonie solennelle de réconciliation. Les discours communiquant les messages de fraternité et d'amour ont été prononcés par les responsables de chaque village et les groupes folkloriques étaient au rendez-vous pour partager la joie à la satisfaction de tous. Des matchs de football étaient organisés pour permettre aux jeunes de tisser les liens d'entente et de paix. Les repas de cœur partagés avec tout le monde a marqué un geste de communion et d'alliance des selles afin de renforcer l'unité et la cohésion communautaire et nationale prônée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis, dans la chefferie des cabarets, nous sommes au sud Kivu, une messe d'action de grâce a eu lieu pour solliciter l'acquittement de Vital Kamere, un notable de ce coin. Et le chef Désiré Mwami a sollicité également à Dieu une bonne santé pour celui-ci qui est allé se faire soigner en dehors du pays. Images et commentaires. Dimanche 24 avril 2022, c'était aussi une occasion de glorifier le Tout-Puissant pour le retour de Vital Kamere au pays en bonne santé après avoir passé une longue période de maladie en Europe. C'est ce qu'a dit le représentant du Mwami Désiré Kabare Gemani Zinabushi et son secrétaire Olivier Kalumbiro. Le Mwami c'est le père à tout le monde, c'est le Bashi. Et Kamere lui était fils du Mwami, doit absolument bénéficier de la solidarité de son père. C'est à ce titre-là que le Mwami a sollicité une messe d'action de grâce pour que le Bashi prend la grâce de lui. Et Kamere, qui est un des fils aussi du Mwami Kabare, puisqu'on pourrait aussi servir. Dans son homélie, l'officiant du jour, Moulmodéroi Louis-Marie, a invité les chrétiens à apprécier le vrai amour dans le bonheur comme dans le malheur, mais aussi d'être des vrais artisans de paix. Parmi les participants dans la messe, l'on note la présence de l'interfédéral de l'UNC, Daniel Loaboshi, qui a remercié la chefferie pour cette organisation. L'église du réveil du Congo, dirigé par l'évêque Armel Maboti, au cours d'une plénière le samedi dernier, transmis les décisions prises par l'évêque général Dodo Kamba. L'église de réveil du Congo, ERC Congo Central, chapeautée par son président évêque principal, Armel Maboti, a organisé une plénière extraordinaire à laquelle ont pris part les serviteurs de Dieu, membres de cette corporation ecclésiastique de la province, le samedi 23 avril 2022, à l'église Yahweh Sabaoth, sur avenue Maître Hervé Diakessé, numéro 10, Bouima, Soyo, dans la commune de Matadi. Trois temps forts ont marqué ces assises, à savoir la restitution et vulgarisation des résolutions qui sont au total 23 de l'Assemblée générale ordinaire de l'ERC tenue à Kinshasa du 24 au 26 mars dernier. Ensuite vint le moment de la réconciliation entre membres de cette communauté après un moment de turpitude qu'a connu l'ERC. L'évêque Armel Maboti a invité
les uns et les autres au pardon et à l'unité. Et enfin, la remise officielle des licences à quelques membres effectifs et associés de l'Église de Réveil du Congo, ERC Congo Central, un geste encouragé par Maître Blaise Condé, représentant du chef de division provinciale de la justice et garde des Sceaux. Et puis, avant de terminer, un protocole d'accord vient d'être signé entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Pays-Bas sur un appui financier dans le secteur minier. Cet accord ou cet appui financier s'inscrit dans le cadre de la prise en charge des activités contenues dans le plan de travail des litiers en République démocratique du Congo. Peggy Mukundan nous explique dans ce reportage. La République démocratique du Congo vient de bénéficier d'un appui financier dans la prise en charge des activités contenues dans les plans de travail triennal 2021-2023 du Comité national des litiers RDC. La signature de cet accord financier du Royaume des Pays-Bas et la RDC est intervenue hier à l'ambassade des Pays-Bas à Kinshasa-Gombe entre le coordonnateur national des litiers RDC, Jean-Jacques Kaembe, et Madame Evelyne Boesma, chargée d'affaires AI des Pays-Bas. Les secteurs d'intervention de ces financements sont principalement la mission de réalisation de l'étude de cadrage du rapport ITRDC du secteur forestier exercice 2019-2020, la mission d'élaboration et de production du rapport de conciliation du secteur forestier ITRDC 2019-2020, ainsi que la mission de production du rapport thématique sur le renforcement des divulgations des entreprises publiques du secteur extractif de la RDC. Il faut noter également que les Pays-Bas avaient soutenu le processus de mise en œuvre de l'ITIER RDC en finançant deux activités toujours dans le cadre de ces plans triennales 2021-2023 pour la réalisation des études thématiques. C'était là donc l'essentiel de l'actualité de ces 19h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis à travers le monde. À 20h, Sandra Nyangui va me remplacer sur ce même plateau pour vous faire une idée de l'actu à travers le pays. Moi, je vous retrouve encore demain avec le même plaisir. Au revoir.